Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je suis aujourd'hui chez la Micaline en Vendée pour venir bosser avec Adrien. Salut Adrien. Salut Henri. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Ça va, merci. Adrien, ici ton job c'est quoi? Je suis préparateur de recettes. Bon, bah écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça avec toi. Ça tombe bien, j'ai une tenue pour toi. Merci beaucoup. Tu m'accompagnes? C'est parti. Vous êtes sur quel rythme de travail ici sur à la Micaline? Dans l'usine, on travaille en 3-8. Et vous procédez par roulement? C'est ça. Toi, ton horaire préféré, c'est quoi? 20h-4h. Bravo, hein, c'est courageux. Et ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça fait 4 ans que je suis dans l'usine. 4 ans. Et avant ça, tu étais où? Avant ça, j'étais à mon compte. J'ai vendu mon commerce et j'ai postulé. Donc du coup, on arrive vers où là? Ici, on arrive dans la zone VCH. Donc en ce moment, les gars, vous faites exclusivement la production de galettes des rois, c'est ça? On fait les galettes. On fait les cookies, on fait les tartelettes et les pizzas. Donc là, on arrive à ton bureau. C'est ça, on arrive à mon bureau, en prépa. Donc ton métier, Adrien, ça consiste en quoi? Mon métier consiste à alimenter la ligne de production avec tous les aliments qui sont nécessaires. Ici, c'est l'autocuiseur avec l'appareil citron pour les tartelettes. Et là-bas, c'est les crèmes d'amande pour alimenter la ligne des galettes. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui? Eh bien, on va pouvoir débarrasser l'appareil. Donc là-dedans, on a quoi? Dedans, il y a du citron, du beurre, du sucre et un petit peu de secret. Je te laisse faire? Très bien. T'es sûr? Donc j'appuie là? Voilà. D'accord, ça va très lentement. Ça va très lentement. Je pense que je contrôle la situation. Toi, Adrien, ta formation à la base, c'est quoi? Moi, j'ai une formation de cuisinier. Donc t'as fait l'hôtellerie? C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené vers l'agroalimentaire et spécialement la Micaline? Je suis rentré dans l'usine en tant qu'intérimaire et on m'a proposé un poste assez rapidement, alors me voilà. Ça a mis combien de temps entre intérimaire et CDI? Très peu de temps, 3 jours. 3 jours? Et si on t'avait dit un jour que tu travaillerais dans l'agroalimentaire? J'aurais jamais cru. C'est vrai? Non. Donc là, c'est terminé? On a besoin de la racler un peu ou pas? Un petit peu. Ah, mais moi, j'ai pas le bras long comme toi, Adrien, tu vois, donc je pense que je vais forcément en laisser au fond de la cuve. Eh bien, maintenant, on va appeler le chef de ligne, on va lui apporter. Allez, on y va. Qu'est-ce qui te plaît, toi, Adrien, dans ton job? C'est que ça change tout le temps. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette préparation? Eh bien, c'est l'appareil citron qu'on va donner au conducteur de ligne. T'as dû rencontrer Damien? Et Damien, bien sûr que j'ai déjà rencontré. Qu'est-ce qui te motive, toi, pour venir au travail tous les jours, Adrien? Bah, je sais que je vais pas faire la même chose qu'hier. Je vais voir les collègues, ça va être sympa. Il va y avoir une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance ici? Ouais. Et les qualités qu'il faut pour faire ton travail, ça serait quoi? Un petit peu organisé, un petit peu de rigueur, savoir s'adapter aussi. Là, on arrive au bout de la ligne. Est-ce qu'ils ont encore ce qu'il faut? Bah oui. Ça, c'est une crème d'amande à l'érable. D'accord. C'est pour les galettes. La nouvelle recette de la Micaline. La galette des rois. Donc ça, c'est du beurre? Oui. Il y a combien là? Il y a 25 kilos. Adrien, comment ça se passe pour couper une motte de beurre de 25 kilos? On prend un gros couteau et on force. Encore. Mais c'est dur, je suis fait comme une chips, Adrien. Bon, Adrien, comment je m'en sors? C'est pas mal, c'est pas mal. Le reste, on va la nettoyer avec la corne. Ça sent bon en tout cas. Merci. Et là, il y a combien de kilos à peu près? Là, il y a 100 kilos. Une centaine de kilos, ouais. Crème d'amande. Crème d'amande, chaud devant! Eh bien là, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, je regarde la recette sur l'écran. Comme ça, c'est ouvert à n'importe qui, donc même là, pour un débutant. Tu regardes un peu tes recettes qui sont la inscrites. Recette pour faire la crème d'amande. D'accord. Il y a tous les composants avec le nombre de kilos que j'ai besoin. Quoi, Adrien, les clichés qu'il faudrait faire tomber sur l'agroalimentaire, selon toi, ce serait quoi? Ce serait la qualité des produits. C'est quand même des produits de qualité, aussi bien les matières premières que les produits finis. Toi, quand tu es arrivé ici, tu as été formé par Jérémy pendant 3 semaines et j'ai été autonome au bout de 2 mois. L'évolution de ton poste ici, chez la Micaline, ça serait quoi? Bien, soit de passer préparateur dans un autre service ou alors de devenir conducteur de ligne. Donc là, il y en a encore pour combien de temps, Adrien? Il y en a au moins pour une bonne demi-heure. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Bon, je te propose d'aller faire une petite pause. Écoute, je pense que je ne vais pas te dire non. Allez. Avec un petit café? Avec un petit café. Une dégustation? Exactement. Nuit, parce que je peux profiter de mes après-midi. Les cookies, le Wonder de préférence. Collectif, on travaille en équipe. Ni l'un ni l'autre, le marais. C'est quoi ton produit préféré, Adrien? C'est la tartelette citron. Bah, je pense que tu as raison. Merci beaucoup, Adrien, de m'avoir fait découvrir ton job. C'était un plaisir. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Tu reviens quand tu veux, oui. C'est gentil. Si vous aussi, vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes de la Micaline. Ils recrutent et vous serez toujours les bienvenus.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, likez la vidéo et abonnez-vous.